الزول شهر الزول في لون مراوي سمح سيسان إذن ماس جمال الطوهريان تان دي جي اف ذان مهال علين ان الغوابيا ذي الزير سنيني الزول فلاك مرحبا بك في القناة الثانية. شكرا على الاستضافة. مرحبا ماس جمال الطوهريان، يعني سقسي مزوارو نبغى نفك يعني انتان يعني ثالي ثكيني ونبذو عند صوضم بشكا يعني تحكم مليح دي تمثال تكيني انتي مسك يعني دي تساوين المدارة مقرن الى غوابي ذي الزهير عند ذي جوان جوية يعني ونزرارة باللي إلا دكران تواغيت مقرن لا معنى شهر نقوت يعني توقف في مس. يعني السؤال المطروح هو انه يعني تحكمتوا في الامور في جوان جوية كما لازم الحال، ولكن في اوت يعني واش صار ما فهمناش. يعني في اوت القانون كان واضح يعني انه الناس ما يدخلوش الغوابي باش كان العيد هذاك الوقت باش ما يديروش شوا وما يديروش كذا، ويعني بالمعاونه مع كاع لي سيرفيس حتى لي سيتويان لي زاسوسياسيون كامل عاونوا، ولكن في اوت ما فهمناش كيفاش انطلقت هذه النيران. ميرسي. دونك ايفيكتيفمون اون ا باسي une bonne année. Depuis le lancement de la campagne, depuis le 1er juin, vous savez bien que la campagne de lutte contre les feux de forêt commence à partir du 1er juin jusqu'au 31 octobre. Elle s'étend donc sur 5 mois. Mais spécialement cette année, on a pris un peu les devants et on a commencé à partir début mai. Donc tout a été installé, tout a été pris en charge. Tous les mécanismes ont été installés, toutes les commissions nationales, Wilaya, Daira, commune, tout était installé, effectivement. Et nous avons pris les devants avec toutes ces instructions, des arrêtés qui ont été signés interdisant l'accès aux forêts. Et effectivement, aussi les barbecues, interdire un peu les barbecues. C'était à titre beaucoup plus préventif. Que la population a bien reçu. On a vu la réaction généralement de la population qui a bien reçu. C'était lié beaucoup plus à la protection de la faune et de la flore existante, le patrimoine forestier, patrimoine national forestier existant. Donc il y a lieu de le protéger, c'est important. Et puis, c'est tout à fait normal, on est dans le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen, c'est pas spécifiquement à l'Algérie. Vous avez vu que les incendies, pratiquement, ils ont touché tous les pays méditerranéens, y compris la Californie, l'Australie et même les pays du nord d'Europe, un peu, qui n'ont jamais connu de situation pareille. L'Espagne, la Grèce, il y en a d'autres. Oui, exactement. Alors, donc la campagne, comme vous l'avez bien précisé, c'est bien déroulé. Il y avait beaucoup de départs d'incendies, mais la vigilance, la maîtrise était là. Donc la surveillance, la maîtrise, qui est toujours opérationnelle, bien sûr, est là, elle est toujours là. Donc il y avait une efficacité d'intervention. Les aléas climatiques, les conditions climatiques n'étaient pas aussi difficiles pour la maîtrise. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc depuis, jusqu'au 16 août, la situation n'était pas vraiment flagrante. Donc on était uniquement à environ 3200 hectares, la totalité. Et puis, le fameux deux jours des 17 et le 18 août, eh bien, les conditions climatiques étaient vraiment pas en faveur de la forêt. Donc il y avait des vents violents. Exactement, oui, exactement. Il y avait ces deux jours uniquement qui ont un peu fait les dégâts qu'on a connus. C'est à fait normal, on n'aura jamais cette occasion pour présenter nos sincères condoléances aux familles. Et puis, donc il y avait les conditions climatiques qui étaient vraiment favorables. Vraiment favorables. Et puis, ils ont provoqué un méga feu. Donc, bien sûr, c'était les wilayas de Taref. Vous connaissez la wilaya de Taref, c'est une zone humide. Donc la végétation est très dense. Il y a une biodiversité extraordinaire, elle est multiple.
Et puis, donc, ça a permis, donc, avec ces vents violents, ont un peu aidé à ce que la superficie s'étend facilement. Donc, c'était des vents qui ont dépassé les 91,5 km par heure. C'est énorme. Et puis, ils ont changé de direction par rapport au relief, c'est tout à fait normal. Le même moment, ils changent de Oui, ils direction, changent de c'était. direction. Et ils ont traversé même les routes, ils ont traversé même les espaces non boisés, ils ont traversé. Donc c'était des faits vraiment violents. Oui, c'est tout à fait normal. On a la première mission de nos agents, y compris avec Hamed Madania et la gendarmerie nationale, la première mission c'était évacuer et protéger la population habitant en forêt, chose qui a été faite. Toute la population qui habitait en forêt a été évacuée. Tout ce, le malheur qu'on a eu, c'était s'est produit au niveau de la route. Beaucoup plus le bus et puis le parc animalier. Et comme vous l'avez bien dit, au niveau du parc animalier, tous les animaux sont sains et saufs. Il y avait un peu de panique qui a provoqué un peu. C'est tout à fait normal, l'être humain, lorsqu'il a vu les dégâts. Oui, les huit, ils étaient bien sûr, ils n'avaient pas le choix, les lions. Ils n'avaient pas le choix à garder une thème, parce que derrière les cages, ils n'avaient pas le choix. Même s'ils paniquent, ils n'avaient pas le choix. Non, mais c'est le cas. Les animaux sont le cas, sans exception. Donc, voilà, donc ce qui s'est passé. Et suite à ça, bien sûr, la superficie incendiée, bien sûr, elle a évolué. Elle a évolué vraiment, donc de 3200 jusqu'à 23 900 superficie exacte qu'on a fait actuellement. Celle de Tarf, elle est supérieure, bien sûr. Elle est classée en première position avec 9 000 et quelques. Et puis il y a Sogaras, il y a Guelma, il y a bien sûr Bjaïa, Skikda. On a constaté c'est beaucoup plus les régions du sud. Il faut dire qu'on a dépassé les 900 à 930 ou 940 foyers départ de feu. Donc, si je le dis, l'intervention est vraiment efficace. Vraiment efficace parce que par rapport au nombre de foyers, je vous assure que les interventions, les superficies ont été maîtrisées. Je vous donne un exemple. Jusqu'au 16 août, à Guelma, ils étaient à 2,5 hectares. Voilà. Ils étaient à 2,5 hectares. Et puis, ils ont dépassé les 600, puis les 800 hectares. C'est incroyable. Voilà, c'était les 2 jours. Et puis, il y a le dispositif, il est toujours en cours. On est toujours, bien sûr, on surveille, et on intervient chaque fois qu'il y a des départs de feu. Et puis, alhamdoulilah, on est actuellement, par rapport à l'année passée, c'est tout à fait normal. L'année passée, on avait atteint, cette date, on était, je crois, à 96 000 hectares, précisément. Précisément, à ce jour. Donc, actuellement, on est à 23 900 hectares. C'est beaucoup, c'est toujours beaucoup. Mais relativement, il y a une efficacité qui oui. مس جمال طوهري يكتشق لك ذا المهال عليا الغابات يعني الصمد ضد كان سكو سكيني الا ما 16 اوت يعني ولاش يعني وسجل مراك رانا نتواغي المقرن يعني كتمس اللغوه في لا معنى سين وسني كان 17 18 اوت ثقنا وتثلا وسهل يعني الامور باش هكا في مسا تجهد اكثر اضوي قوان ثمنات النار تنزقد البحر اكريكال يعني ثمنات تواسن مليح سلاسي شراس يعني صغرار في لا دكا في مس سلقوا دي مرة ثمي وين يعني الجهيين ذين يديك لان المضرة مقرن 3200 اكتار الغوابي اقرغان لما عنا السهم ضد دكا خرا مدن وظن العفو ربيثنا رحمه ربي ذي الخوف النية يمي ثوقت ذك سن موثن قبر ذان ما تشيز داخل الغابة إلا ولاد الحيوانات يعني قلنز داخل البارك يعني ذينا ثنسلخن وذيك النية قلنز داخل البارك كان تمثال تكيني انت مس يعني مازال مسليتي لي دفلاس يعني تيدت يعني ثقناو تعاون باش هكا في مس اتي لي معنى يزمر داغن العبد داغن تندغن هذه لي السبه
باش هكا زغن زنسان يثبت تم زوارو باش هكا يعني في مساله نده لاكت كريمينال اللي يقدر يكون يعني زياده على الفينومين ناتورال والقانون راه واضح في هذا الميدان هذا السيد طوهريه جمال. سي تو في نورمال يا لاكت كريمينال كي 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 لي زونكات اللي درتو بالك لقيتو كاين دي كا هكذا وصافي با لونتون في قال ما القوانين انديفيديو كان راح يشعل يعني النار في الغابه. شوف واش نقول لك يا لي كوز دانسوندي سون il y a plusieurs causes sont diversifiées, il y a plusieurs causes, il y a des causes naturelles, il y a des causes c'est-à-dire non volontaires et bien sûr il y a des actes volontaires. Et c'est pour ça que des enquêtes sont déclenchées après chaque incendie. Tout d'abord un incendie, il y a toujours une enquête qui est déclenchée. Donc nous avons donc des équipes composées de la gendarmerie, des forêts et de la protection civile, donc qui travaillent, et c'est des gens formés pour l'identification des causes et des circonstances d'incendie. Donc ils sont formés pour identifier tout d'abord les causes et les circonstances. Et puis à partir de là, il y a bien sûr la gendarmerie commence à faire son travail. Et c'est tout à fait normal qu'il y a des arrestations, il y a des interpellations, il y a des enquêtes. Et puis les bilans, on va les connaître juste après. Mais maintenant, on s'occupe beaucoup plus de surveiller le patrimoine forestier. Mais en parallèle, il faut parler de la société civile qui est mobilisée, qui est vraiment mobilisée. On est bien. Nous avons un peuple extraordinaire. Vous avez vu la solidarité avec tous les sinistrés. Vous avez vu. Ils ont été élevés dans d'autres villes. Exactement. Et vous avez vu le numéro vert, le 1070, qui a joué un grand rôle. C'est grâce à la population. Ils ont dénoncé, ils ont donné l'information, ont tenté zéro, et ça nous a permis d'intervenir dans un laps de temps. نقول له الموضوع سيد طوهرية جمال بدح. أتسلم إين في جين صلحي صغور ألجيري تيليكوم. ألجيري تيليكوم يلس ذسقرف. أكا مس طوهرية جمال لنمهال علينا الغبث نتمس ليد السكينية في أين يتكسب الغلاثة تمورثنا وين يعني الغبث وين يعني السجور إمغان ثغان إغرسيوان مرة ينشدنا كينيا إثونات يويد أنس حبيب رفلاس غسكن ثواغي انتيلي انتيد لما ديما أمذن إلق ذيب قس بشكا وتيمغورن ترى ثواغي نكينيا مس طوهرية جمال إذا مهال عليا الغابات ذي ثمورتنا ذي التهير ما إلا أمك غدا هضر في التاويلات ذي شو يسعيم التاويلات باش هكا تقابل ثواغيين كي يقدرون لي مويان اللي كاينين يعني دركا زيادة على لي كنادير اللي راه مادا بينا نستناو باش أنهم يوصلوا ولو كاسبين نكسبوهم يعني في الجزائر ما نبقاوش شاك فوا نكريوهم. وي دونك لي مويان سي تافي نورمال شاك اني يا دي مويان كوني اون تران داكيغيغ سي تافي نورمال. Il y a des nouvelles Mercedes. Je fais parler des équipements pour l'administration des forêts. Mm-hmm. Et parce qu'il y a la partie protection civile qui sont dotées, donc c'est les spécialistes. Et donc, oui, c'est tout à fait normal. Parce que nous, on est concernés par la surveillance du patrimoine, donc à partir des postes de vigie, des postes de surveillance, qui sont positionnés pratiquement, ils sont bien étudiés, ils sont positionnés au niveau des hauteurs, ils sont construits. Donc il y a les moyens de transmission, donc les talkie-walkie, et plus les jumelles qui permettent aux agents forestiers, aux ouvriers qu'on recrute pratiquement durant la période d'été. Période estivale, des jeunes. Exactement. Donc ils donnent l'alerte là où il y a, quand il y a un départ de feu. Donc il y a des brigades d'intervention rapide avec des 4x4 équipés, donc c'est des Mercedes équipés,
Donc, et nous avons l'ancienne dotation, c'est des stations Toyota, donc équipée aussi, donc avec une capacité de entre 600 et 800 litres d'eau. Et puis on intervient et généralement on fait la première intervention et puis on donne l'alerte, on informe nos collègues de la protection civile qui viennent tout de suite, bien sûr, il y a une intervention rapide. Et pratiquement, il y a une maîtrise de l'incendie immédiatement et on a constaté que, par exemple, si je cite uniquement la wilaya de Boumerdès, qui a connu 38 départs de feu, mais la superficie elle est vraiment minime, donc c'est-à-dire il y a une maîtrise de l'intervention. Et puis, nos agents, lorsqu'ils interviennent, ils sont équipés avec un équipement de tenue unifuge. Donc il y a des casques, il y a la tenue unifuge qui leur permettent, bien sûr, pas de rentrer directement, de rester longtemps, bien sûr, mais ils peuvent juste traverser, passer, voilà. Et intervenir, voilà. Et c'est ça pratiquement. Et puis il y a des grands moyens. Si je reviens aux moyens aériens, il y a les moyens aériens qu'on a utilisés l'année passée et cette année, c'est les hélicoptères de la protection civile et de l'armée nationale, un peu que je salue bien sûr tout le monde. Et je les remercie beaucoup, ils sont vraiment avec nous. Il faut, cette année c'est un peu spécial, donc il y a la gendarmerie, il y a l'ANP, donc ils sont avec nous depuis du départ du feu jusqu'à la fin. et donc ces moyens aériens, ils sont d'une efficacité. Ce qui a marqué cette année, c'était l'utilisation de l'avion Canadair, l'avion bombardier d'eau, donc de 12 000 litres, qui a montré son efficacité, notamment donc, d'une capacité de 12 000 litres, c'est quelque chose de bien. Il y a une très bonne maîtrise dans l'utilisation et précise donc lorsqu'il y a le jet d'eau il y a nécessité de l'utilisation des moyens aériens. Ces moyens aériens permettent d'atténuer un peu le feu, avec des moyens dont on dispose, des moyens terrestres. Et puis, bien sûr, le président de la République, il a pris la décision d'acquérir deux avions bombardiers. Donc le premier, ça a été déclaré. Donc on va le recevoir durant le mois de décembre et puis début de l'année 2023. Donc la campagne prochaine, on va avoir deux avions bombardiers. Ça sera quelque chose de vraiment bien, vraiment, c'est quelque chose de bien. Ils vont nous permettre, le dispositif de lutte contre les feux de forêt, c'est un acquis. On considère que c'est un acquis pour l'Algérie. Donc on est bien content qu'on aura ces moyens. La question, monsieur Touahria, c'est que les Canadairs, l'utilisation de Tahom, ils utilisent l'eau de mer, le Bahar. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau de le barrage, de l'ouïdan, ou qu'est-ce les instruments? Ça dépend de l'avion. Ça, c'est des grands avions. Avions, c'est tout à fait normal que la taille de l'avion elle est importante, parce que lorsqu'elle attire, elle prend de l'eau, il faut de l'élan. Donc nos barrages ne sont pas adaptés pour Bni Haroun, Bni Haroun, il est grand, c'est le plus grand, mais il faut éviter les risques, il vaut mieux aller vers l'eau de mer. Et c'est plus sécurisé. Et puis ce qui est important, c'est que la forêt algérienne, pratiquement, c'est le littoral. C'est le nord de l'Algérie, donc elle est au littoral, donc la possibilité, c'est pas aussi loin. Un exemple, par exemple, شحال الوقت يدير كي يجيب الماء من البحر ويوصل للجبل. قادر يكون un quart d'heure, comme il peut être une demi-heure, comme il peut être. Donc il fait des tournées. D'accord. Donc plusieurs tournées, un incendie. Donc d'un incendie, il fait 3, 4, 5 jets d'eau, donc des rotations. Et puis on intervient avec des moyens terrestres pour éliminer toute trace d'incendie, y compris les fumerons, y compris. En plus de ça, il y a des réserves d'eau sur le Dakhl Rabat ou Kada. Oui.
on sait jamais, tu es toujours t'hadrou rohkom hada l omour hada kifach tamat l qadiya. Il y a des points d'eau, il y a des bassins d'eau, c'est des retenues d'eau, c'est des retenues d'eau, donc en géomembrane et en béton armé, c'est d'une capacité donc de 6 mètres à 8 mètres de long entre largeur et longueur, d'une profondeur de 3 mètres, donc qui permettent aux hélicoptères d'intervenir rapidement. Donc ils sont situés pratiquement au niveau des massifs ou à proximité. Cette année, nous avons recensé tous les points d'eau, tous les bassins d'eau des agriculteurs. Donc les instructions de Monsieur le ministre de l'Agriculture étaient claires. Et donc tous les agriculteurs, durant la période d'été, laissent leur bassin plein. Voilà. Donc l'instruction, elle a été appliquée à la lettre. On remercie nos agriculteurs aussi pour leur contribution. Et le contraire nous aurait étonné. Bien sûr, l'Algérien, il est solidaire, il est là. Il faut impliquer le citoyen pour sauver la richesse forestière. Il y a une loi qui se prépare pour ça. Oui, c'est tout à fait normal. La loi, donc, on est en train de réviser la loi relative aux forêts, c'est tout à fait normal. Elle est en discussion au niveau du secrétariat général du gouvernement. Donc, on la présente, cette loi, donne la possibilité, bien sûr, d'ouvrir un peu, d'impliquer un peu le citoyen. Comment l'impliquer? C'est lui permettre d'accéder aux investissements au niveau des forêts. Donc, la forêt ne va pas rester comme ça, tout simplement. C'est vrai, il faut la protéger. Avant, mais pour ne pas toucher, ne pas toucher, entrer, laisser sauvage. Ouais, l'eau. Donc, mais maintenant... Oui, mais on a prévu des droits d'usage, des amodiations. On a prévu des autorisations d'usage. Donc, c'est... Dans quel domaine il y a l'investissement agricole? L'investissement qui est libre dans le cadre agricole, c'est tout à fait normal. Agricole ou forestier ou paraforestier. Donc, exemple, paraforestier, on dit, mais on développe les espèces rustiques, tout ce qui est pistachier, caroube, noyer, c'est pratiquement olivier, c'est tout à fait normal, il est important parce que l'Algérien, il aime beaucoup cette espèce. Donc c'est des espèces à rendement économique qui jouent leur rôle écologique, ils sauvegardent la biodiversité, et puis, ils ont le côté économique qui est important, qui va intéresser un peu les gens. Et de cette manière, on va protéger nos forêts. Et comment ça se passe? Est-ce que le terrain, ou là, il doit le louer, ou là, comment ça se passe? Est-ce que tout matin, il Moi, je parle des terrains qui appartiennent à l'État, au domaine forestier. Oui. Parce que généralement, ce qui lui appartient, c'est tout à fait normal, il y a un accompagnement. Vous avez connu les programmes de développement rural. Donc la population rurale pratiquement a été accompagnée de 100% avec des programmes clés en main, des plantations fruitières, des programmes d'élevage, des programmes de puits, réalisation de puits, des bassins d'eau. Pratiquement il y a une diversification d'activités agricoles que l'État a, grâce à ça, il a accompagné toutes ces populations. Et c'était dans le cadre d'améliorer les conditions de vie tout à fait normales. Alhamdoulilah, donc ces programmes, il n'y a pas que le secteur de l'agriculture qui était seul, ils ont été accompagnés même par les autres secteurs, donc il y avait la santé qui a intervenu, il y avait les travaux publics qui ont intervenu, il y avait l'urbanisme avec l'habitat rural pour stabiliser et fixer les populations au niveau rural. Donc l'État a intervenu avec beaucoup de programmes au niveau rural pour stabiliser et améliorer les conditions de vie. Et puis les résultats sont là. On connaît que... Qu'il y a des cas, il y a des investisseurs, ils ont commencé à investir dans le domaine de... Oui, nous avons des investisseurs dans le domaine du caroub. Pratiquement, oui. L'Algérie exporte le caroub, pratiquement, il est bien classé. Exactement. Donc il y a notre espèce le liège que vous connaissez. Donc il y a oui exactement, donc c'est des forêts naturelles, donc c'est une espèce à développer aussi, à protéger, à développer. Elle en fait partie parce que économiquement elle est très rentable pratiquement. C'est un produit qui est sollicité beaucoup par l'étranger, donc c'est un produit qui est transformé au niveau local, au niveau national, et puis exporté en produit semi-fini. Voilà.
هكا مس جمال طوهرية صامد ضد كان القانون الكيني جديد كيتما كباش هادي اليوم وقتاش يعني راح يكون القانون هذا راه محضر دونك دون ديسكوسيون بيان سور اون فوا اون فوا اون فا تيرميني سي لا بروسيدور اون فوا اون فوا يفوت او نيفو دو اس دي جي دونك سارا فاليدي دونك سارا بريزونتي سارا بريزونتي او غوفرنمون سي تاني تيان هذا كلاسيك دونك هكا هي القانون الكيني نتانا يسهل لنا اكثر دعونا ديونا اكثر ان نظم كيان لغوابيان دي سماحي اي مدن يعني كسعانا كاتدريم باش السفتين تدريم تنزن داخل لغوابيان ذا زون سجور كسعانا نفعي ذا مسانة مورث ذا الفايدة ردويني نوثي الفايدة ردويني ذا مسانة مورث داغان ذا الفايدة داغانا السحبي بران نوثني داغانا دا عسنا في لغوابي باش اكا ورق انترا باش ودتيليرا كالخسارة لغوابيان كينيا مس توهرية جمال داغن ثمسل تكينيا يعني ان مخي تيليرا لمعاونا يكد بس النظام أما لا بروتيكسيون سيفيل لا جوندارمري العسكر تمعاون اي مره باش هكا ما يلا تضر اخر انت مسك تبدا او ندفك الاخبارات باش هكا تسنسم تيم السنيه سلسهله تتعاون تمعاون من داغن قحريش هكا نيميريك في لا لوت كونتر لي زانسوندي اون كولابوراسيون افيك لازا اوسي لاجونس سباسيال الجزائريه سي تو في نورمال اون ني با سول دونك يا تو سي دونك اون بار دو لا ميتيو dans l'office national bien sûr donc on est à jour donc il y a toujours des BMS d'ailleurs il y a des fois deux BMS par jour donc il y a, lorsqu'il y a des changements climatiques subites donc il y a des vents qui vont démarrer donc on a l'information automatiquement elle est transmise aux 40 wilayas concernées par les feux de forêt et puis il y a la ZAL c'est tout à fait normal pour l'identification pratiquement c'est après les incendies pour la détermination des superficies incendies exact les images satellitaires c'est les images satellitaires il y a un traitement qui se fait et puis même nous donc nous avons des cadres très compétents qui font aussi le traitement de ces mêmes photos satellitaires et puis ils sont transmis sur le terrain donc au niveau local pour faire la comparaison entre le terrain réellement et la carte et l'image satellitaire, et puis on fait ressortir le type de végétation, les parties réellement incendiées. Donc il y a un traitement de la photo, et puis ensuite on détermine exactement les superficies incendiées par espèce. Parce que dans les forêts, si on parle de 23 000 et quelques, 900, c'est pas uniquement la forêt. Donc il y a la partie forêt, il y a le maquis, il y a la broussaille, il y a aussi l'alpha qui a été touché, environ 70 hectares. Et puis il y a l'arboriculture donc de montagne, donc les afruitiers qui dépassent les 1200 hectares cette année. Voilà. ثورا ثمسلت كيني يعني مس جمال التوهرية اختيق لك ذن مهال عليا الغابات أنا عندي أرث ثمسلت نظن يتفن البالي ميثورا أطاس يسني روحا سخسرنا سني يعني أطاس الغلات ذي الغابات ما تسجور نعم ماذا عند الغلات ثمسلت يعني اللي زندمنيتي يعني كين وين وصلت القضية هذه تعلي زندمنيتي الناس اللي راهم تأثرين يعني مضرارين يعني من هاد اللي زنسون دي هدول الفلاحين اللي راهم عندهم إمكانيات عندهم الغلات Oui, merci. Donc, comme vous le savez, à partir de la wilaya Taraf, Monsieur le Premier ministre, il a donné instruction à ce que le lancement du recensement de tous les sinistrés et puis qu'est-ce qui est inventorié et recensé toutes les pertes qu'ils ont causées et commencer immédiatement l'indemnisation de ces sinistrés. Bien sûr, dans le but, c'est la relance de l'activité agricole. C'est ça l'objectif, c'est relancer l'activité agricole. Et ce qui a été fait, donc, il y a une commission, donc immédiatement la commission locale présidée par les Weli, donc avec plusieurs, c'est tout à fait normal, multisectoriels. Donc il y a les DSA, les conservateurs des forêts, et puis les travaux publics, l'urbanisme et tout. Donc il y a toute une commission qui a travaillé au niveau local. Il y a une commission nationale, donc au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est présidée par Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l'Intérieur, dont on est membre, nous, et le ministère de l'Agriculture. Donc le ministère de l'Agriculture est représenté par deux membres, donc l'Agriculture et les Forêts. Et puis, il y a une commission sectorielle, que je préside moi-même, donc qui est composée pratiquement de directeurs centraux,
du ministère de l'Agriculture et aussi tous les PDG, directeurs généraux des groupes économiques qui dépendent du secteur de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Et c'est là l'importance. Donc on a une fois, tout a été recensé, on a lancé immédiatement, suite aux instructions, bien sûr, de M. le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, on a lancé immédiatement l'opération d'indemnisation. Vous l'avez, je crois, vous l'avez même vu à la télé, donc elle a été médiatisée. Donc au niveau de tarif, les activités agricoles concernent pratiquement l'élevage, ovin, bovin, caprin, équin, les activités, tout ce qui est avicole et ruche et apicole. Exactement. Et donc l'opération a été lancée donc, à travers les trois wilayas immédiatement. Donc la distribution a été faite et elle se fait au fur et à mesure. Il y a beaucoup de citoyens de sinistrés qui ont reçu complètement, définitivement, complètement. Et on est en train aussi, il y a le groupe Génie Rural, qui est en train de lancer, il a lancé l'opération de la réhabilitation des établissements d'élevage. Il a commencé, il a lancé l'opération pour réhabiliter un peu tout ce qui est structure, tout ce qui est bâtiment d'élevage. Et aussi il y a la distribution des ruches vides. Donc vous savez que l'activité apicole, donc les ruches pleines, c'est pas maintenant, c'est à partir du mois d'avril, mi-avril, mai. Donc jusqu'au mois de juillet. Et il y a l'activité de plantation fruitière qu'on va lancer à partir de fin octobre. Donc on peut pas planter maintenant, vaut mieux qu'on s'arrête, on nettoie, on procède au nettoyage, l'enlèvement de toutes les souches incendiées et tout, l'assainissement, tout ce qui a été incendié. Et puis, on lance l'opération de plantation pour remplacer tout ce qui a été incendié et détruit par les feux de forêt. Très bien. بقات لنا يعني دقيقة برك إذا كان ممكن نديرو نتكلموا على لو ربوازمون يعني راح عندكم مشروع كبير يعني من 2035 باش ديروا يعني لو ربوازمون عدة أنواع تاع أشجار يعني ماشي نوع واحد ولا كل واحد تكون نوع في منطقة تاعو. طبيعي. سي فري دونك بور كوم شاك أني دونك نو زافون لا كومبان دو ربوازمون. Qui est lancé pratiquement à partir du 25 octobre, qui coïncide avec la journée nationale de l'arbre. C'est pas par hasard, c'est pratiquement, elle correspond directement à partir du lancement de la campagne de plantation, et qui va s'étendre jusqu'au 21 mars, qui coïncidera avec la journée internationale de l'arbre. Durant cette période, on envisage de planter pratiquement à l'horizon 2030 plus de 12 millions. Donc de plans, donc il y a plus de 120 millions au niveau du barrage vert à l'horizon 2030. 120 millions. Oui, au niveau du barrage vert. Oui. Uniquement dans les 13 wilayas qui composent le barrage vert. Et puis il y a les autres opérations, le plan national de reboisement qui se fait habituellement au niveau de toutes les wilayas de l'Algérie. تنمير تعطيك الصحة ماس طهري يا جمال. مرسي. مرسي بوكو. مرسي. كان ماس طهري يا جمال. دن مهل عليا نلغى باس دي الجاري لدينا بجين تصحيح تكون جاري لهنا التلوي ثار توفات.